si on est réunis aujourd'hui, c'est pour discuter et repartir sur des bases saines. Moi, à la base, j'étais très content de la rencontrer. Mais bon, elle m'a offert un maillot de l'Argentine. C'est bon, vous l'avez perdu, la Coupe du Monde. Là, il faut avancer. Et on parle de moi, de la drogue. T'as fait un gosse avec une narcotrafiquante. Pardon? Mais c'était de thé. Et excusez-moi, mais c'est rien comparé au fromage qui pue dès la dernière fois. C'est du Merwan, c'est une tradition du Nord. Et le Nord, tu l'aimes ou tu le quittes? Ok, mémé. Et ça aussi, cette manie de m'appeler mémé Sylvie. Pas des problèmes, je peux vous appeler la vieille si vous préférez. Alex, t'as vu comment elle me perd? On se calme. C'est bientôt Noël, un moment de paix et de partage. Oui, t'as raison. Bon, on vous présente nos excuses. Oui, et moi aussi. Je vous rassure, pour le repas de Noël, je ne vous ferai pas de maroilles. Pour Noël? Bah oui, on le fait ici tous les ans. Cette année, je pars les fêter avec ma famille en Argentine. C'est hors de question, hein. Je veux voir mon petit-fils pour son premier Noël. Mes parents aussi, ils veulent le voir. Ah bah dans ce cas-là, vous l'avez le 24 et nous le 25. Et j'ai fait comment? Je vous l'expédie par colis. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette année, Gonzalo, il passe Noël chez les champions du monde. Je te préviens, si elle l'emmène, j'appelle l'immigration. Si vous faites ça, j'appelle un hospice pour vous faire interner. Mais t'as vu comment elle me parle? Tu vas la laisser me parler comme ça.